Headshot. Allez, d'accord. J'ai plus de batterie. Ouais, c'est ça, ouais. Va demander à mon coloc, il a des piles. Ah ouais? Ouais. Excuse-moi, mec, t'aurais pas des... Non, mais je pense que je vais trouver ailleurs, laisse tomber. Je viens de croiser ton coloc. Il a l'air... Enfin, il va bien? Ben ouais, tu veux qu'il ait quoi? Bah, je sais pas, je l'ai vu, il avait l'air un peu perdu, quoi. Non? Non, il est normal. Ça va, mec? Ah! Tu vas pas me dire que c'est normal? Oh, mec, t'es lourd, là, arrête ça. T'inquiète, on t'a pris une calzone, hein. Allez, joue. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? 8 moritos? Tu veux 8 moritos? Un quoi? Un whisky? Ah non non non, j'ai pas de whisky. Allez, ça dégage. Mais concrètement, expliquez-moi votre problème avec des mots simples, c'est pas compliqué. Vous voyez? Ah, mais maintenant je comprends mieux. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Vous savez, ma grand-tante Agnès, eh ben, depuis 2012, elle est sourde et muette. Elle a un accident de voiture, elle a perdu les bras et les jambes. C'est excellent. Mais vous savez, j'ai des histoires de famille passionnantes, on pourrait en parler pendant des heures. Vous devriez passer un coup là, mais... Non, mais attendez, restez, restez. J'ai encore une histoire sur ma belle-femme qui est partie aux îles Maldives jouer du piano avec les pieds. C'est une histoire passionnante, oh non. Je te le dis, il est pas comme les autres, ton pote, là.
Bah c'est Charlie. Il est unique. Ah, du coup on fait quoi, on le ramène? On va plutôt manger. Ouais, on va faire ça.